Et puis de toute façon, je fais ce que je veux. Oh, je suis filmé là avec. 3D, c'est incroyable. Salut tout le monde, ça va? Attends, c'est pas fini, moi j'ai pas commencé. Attends, tu recommences maintenant. Salut tout le monde, ça va? Je recommence, mais moi je garderai les deux pour la vidéo. Bon, je suis arrivé chez Arnaud, projet porte en chaîne. Donc là, il y a le fils d'Arnaud qui est là. On va déjà tout débiter. Parce qu'on est carrément à la ramasse, parce que voilà, je suis arrivé à 19h. Donc on va déjà tout débiter. Je ne vais pas beaucoup parler pendant le débit, hein, tu sais, on va tracer, on va débiter, et puis voilà, ce sera très bien. Puis bam, boum, gauche-droite. Et puis, voli-volo. Oublie pas, suis bien la vidéo, fais pas de coupure, parce qu'il y a un moment où je vais te donner le mot de passe pour gagner la Mafel. Si t'as pas le mot de passe, pas de cadeau, mon gars. C'est parti. C'est quoi le mot de passe, du coup? Ça, je le dirai après. Ah bah non. Ça va être compliqué, hein. Je le sens, ça va être compliqué. Allez. Bon, c'est parti. Tu racontes quoi? Bon, je raconte rien. Je raconte que je vais essayer d'utiliser la scie à ruban. Ça, c'est pas gagné. Hein. T'as pas toujours pas bu de café? Non, j'ai toujours pas bu de café parce que tu m'en as toujours pas offert. Là, ça filme. D'accord. Donc, donc les gens savent que tu m'offres pas de café. Ben, si, non, t'as un vieux racagna, c'est tout. T'as toujours pas bu de café, toi, Jean-Claude? Bah, attends, je. Mais c'est ça qu'il faut couper. Oui, mais faut prolonger le trait, là. Oui, oui. Oh, je le prolonge à l'œil. Tu lui as coupé un morceau, en fait. Ouais, ah bah oui, bah il y en a plein. Hein. Oui. La cruche, hein? Oui. Mais il est, c'est un vieux tigre. Ouais, c'est un tigre, il est pas en forme. Voilà. Je le déteste, cet homme. Bon, voilà où on en est, les gars. Et les demoiselles, si vous nous regardez. Voilà, on a tout débité. C'est parfaitement droit. C'est du bois centenaire. Il n'y a pas de ténère dedans. T'as compris cette blague? Centenaire. Hein? Voilà, écoute, tout est là. On a tout débité. Demain, il y a grosse séance d'égo, d'usinage. Parce que demain soir... hein? Il n'est pas tordu, il est parfaitement droit. Regarde. Si je le mets là, regarde, il est parfait. C'est voilà. Ne vous tracassez pas, c'est au montage. On mettra des bois. Voilà. C'est la caméra, on mettra de la PU. Ouais, demain, grosse séance. Parce que demain soir, il faut que la porte elle soit finie. Ouais, t'as cadré et collé, quoi. On présentera, tu la vois là, elle est là, je sais que tu. Parce que j'ai le grand angle. On vous présentera la cadreuse Rapidos. Parce que ça a l'air pas mal. Honnêtement, t'as l'air de pouvoir péter des fémurs avec ça. J'ai l'impression que tu mets la cuisse d'un gars, tac, tu lui arraches sa jambe au gars. Donc, ça va être pas mal du tout. Nous, on va aller guetter des gens comme Samuel Mamias et tout ça sur YouTube. On va essayer un peu de s'imprimer de leur talent pour réussir quelque chose demain. Hein? Parce que bon, on en a besoin quand même du talent. Hein? Parce que c'est pas avec ce qui est ici qu'on va réussir. Allez, hein, à demain. Allez, belle machine. Ti-ti-ti-ti. Salut, bon, allez, jour 2. On va pas beaucoup parler, on va dégauchir et... C'est du bruit, ça. On va dégauchir et raboter tout ça. Et on te reprendra après quand c'est intéressant. Parce que là, c'est aussi peu intéressant qu'Arnaud. Donc, tu vois. T'es gentil, ça, quand même, hein? Je trouve que je suis un gars gentil, moi. Thank you.
m'énerver. Vous m'énervez, vous m'énervez. Bon. Oh, je profite, c'est plus que c'était. Allez, je vais t'expliquer ce qu'on a fait. Ça, c'est la partie chambranle. Et ça, aussi. Donc, assistant, pourriez-vous me donner les ébrasements, s'il vous plaît? Ils sont là. Là. En vous remerciant. Non, ça, c'est parti contre-chambranle. Donc, nous avons fait des rainures dans lesquelles nous allons coller, et oui, on va coller, les ébrasements. Voilà, une fois, deux fois, hop. Voilà. Ouais, hein, on le met. Où est-ce que je mets le petit? Comme vous pouvez le voir, Arnaud, il nous aide beaucoup. Ça fait plaisir de se sentir épaulé par un gars pareil. Je te le dis. Attends, je passe plus sinon, tu sais, moi je suis gros. Hein. Tiens. Punaise, mais qu'elles sont bien faites ces petites encoches là. J'aimerais bien savoir qui les a faites. C'est moi. Punaise, c'est incroyable. J'en ai jamais vu des aussi bien faites. Voilà. Tac. Alors. Il y arrive ou il n'y arrive pas le... Ouais, on va le casser, comme ça on n'aura plus qu'à le recommencer, puis on pourra remontrer aux gens. Voilà. Tac. Donc ça, domino. Non, quoi? Colle plus pointe. Voilà, colle plus pointe. Et puis ben, on vous montrera une fois que c'est collé, parce que là, hein, comme tu peux le voir, ça ne tient pas des masses quand même. Donc on va le coller. Mais comme ça, tu as une idée de comment il faut déjà faire une partie. On fera des gros plans. Allez. Tant qu'Arnaud, il est en train de rien foutre, on va couper les ébrasements. We'll be right back.
Bon, allez, on va installer le boîtier. Donc là, Arnaud, il a déjà tracé. Donc en gros, ce qu'ils appellent le carré là, la norme, c'est 1 mètre minimum, c'est ça? Dans les 1 mètre, 1 mètre, 1 mètre 5. Tu le positionnes comme ça, tu le repères, pépère, et puis voilà. Et ensuite, nous, on va le mettre au fond de la feuillure, tout en bas, pour avoir plus d'épaisseur au-dessus, tu vois. Parce que si on le met comme ça, après, ça sonne creux là, tu vois. Donc bah, après, tu le positionnes, tu le marques. Et puis bah, maintenant, c'est la partie qui va être rigolote. On va l'usiner. On va léoférer la porte. Voilà, donc là, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On la place. Qu'est-ce qu'on a laissé 1 cm en dessous, c'est ça? Voilà, donc je vais laisser 1 cm en dessous. Ah bon, bah, Lyon, on n'est pas rendu. Là, ça bouge. Ouais. Ah oui, je sais. Et tu vas mettre un forêt dans l'autre sens. Ben, ça revoit un peu bien. Mais... voilà. Un forêt de diamètre spécifique. Ouais, ben, plus petit. Ok. Là, pour éviter. Conique, le hérisson. Conique. Quand on a bon, c'est beau, voilà. C'est pas épais, c'est bien. Voilà, c'est bon. Mais doucement, hein, gars. Et l'autre. Ah bah beaucoup. Ça a 8 ans. Non, donne-moi. Elle rentre bien toi? Ah ouais. Merci, non, hein. Ouais, j'ai des gros blocs de paraffine. Ouais. Mais ça vaut pas très cher la paraffine. Hein. Je savais pas qu'il y en avait besoin. Vous m'énervez, monsieur. Énerveur, arrête d'énerver. Hein. Je me souviens que c'était... oui. C'est bon, il doit pas me mettre 10 kilos de paraffine dessus. Le mec, il est jamais satisfait. C'est un truc de malade. Oh, c'est serré, tu vois. En face. Moi aussi, je suis en face. Voilà. Voilà. Non. On la lâche? Oui, bah oui. Puis on sait que les doigts. Donc là, qu'est-ce qu'on vérifie? Ben, on vérifie. Qu'elle ferme déjà. Elle ferme déjà. Ah, hey, attention, c'est enregistré. Ça, ce sera dans la vidéo. C'est du chêne sans champignons 49.3. Oui. Ok. Et voilà, on y est. Finition. On a tout parlé. Voilà. Oui, oui. Ouais. Du coup, là, je vais juste reprendre les petits endroits à poncer un peu. Il n'y a vraiment pas grand-chose. Et puis, un cul de Rubio Smoke. Et ce sera très bien. Je te mets un timelapse pour ça, tiens. Ok, YouTube. On a fini. Je vais te montrer la porte. On va te faire des plans et tout, hein, avec Arnaud. Concernant le concours. La Maffin, on l'a pas utilisée pour pas la bousiller, enfin pour pas la bousiller, pour qu'elle arrive neuve. Et surtout, Fréhoud va filer une lame avec et on voulait pas couper le pare-éclat parce que avec la lame, je crois que la lame là, elle est plus épaisse que les lames Fréhoud. Donc voilà, je te mets des liens. Oh dis donc, il est beau le logo. Je te mets des liens sous la vidéo pour aller voir les tests qu'ont fait les Bichons et Mickaël de la Touche du Bois. Je crois que c'est sa vidéo qu'il y a sur le site d'Outils des Pros. Ils feront ça nettement mieux que nous. Ils l'ont fait nettement mieux que nous. Donc voilà, un grand merci à Outils des Pros pour ça, à Fréhoud pour la lame. Je te remettrai les règles, mais je pense que on va demander à envoyer un mail
ce sera beaucoup plus simple pour moi parce que je fais jouer les gens de YouTube. Il y en a aussi. Je fais jouer les gens de YouTube et d'Instagram en même temps. Donc, lis le descriptif parce que je vais tout mettre dans le descriptif. Sinon, je vais parler pendant 20 minutes. Ok ? En attendant, moi, je vais rentrer à la grande tristesse d'Arnaud. On se retrouve le mois prochain. On est quoi le mois prochain ? On est fin avril. Ah, peut-être. Déjà, mince. Je pense plutôt venir fin avril que début mai, parce qu'au mois de mai, ça va être chaud, chaud les patates. Grand Prix de France, j'ai plein de trucs. Enfin, on va voir. J'espère que le projet de la porte, ça t'a plu. Moi, j'ai bien apprécié. Et je ferai une vidéo à part sur comment l'installer. Voilà. C'est tout. Le mot de la fin, Arnaud ? Bonne nuit, les petits. Bonne nuit, les petits. Heureusement que ton fils est là. Massacre à la Maffel MT-55.